Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste, âgé de 54 ans, est sorti de garde à vue ce vendredi 17 février 2023 et a été déféré au tribunal de Melun. Le procureur a notamment demandé son placement en détention provisoire. On fait le point sur ces nouveaux éléments. L'affaire continue et l'enquête avance depuis l'accide de Pierre Palmade, survenu le vendredi 10 février 2023. Il y a une semaine, jour pour jour, l'humoriste, sous l'emprise de cocaïne et de médicaments, a provoqué un terrible accident de la route sur une départementale en Seine-et-Marne. Pierre Palmade a quitté sa voie avant de percuter un autre véhicule qui arrivait sur la voie d'en face, avec trois passagers à son bord, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, mais aussi sa belle-sœur, âgée de 27 ans et enceinte de 6 mois et demi. Seulement, cette dernière, installée sur le siège passager, a perdu son enfant, une petite fille qui devait naître le 14 mai prochain. Quant aux deux autres victimes, elles ont rapidement été transportées à l'hôpital, dans un état grave. Mais ce jeudi 16 février 2023, le petit garçon, qui était dans le coma depuis plusieurs jours, s'est réveillé. Selon les premières informations divulguées par le cousin de la victime ce même jour, il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. En revanche, deux autres individus se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade, mais ont pris la fuite après l'accident. Ils ont été interpellés le mercredi 15 février 2023, pour non-assistance à personne en danger. Pierre Palmade déféré au tribunal Pierre Palmade, dont les jours n'étaient plus en danger dès le lendemain de l'accident, a été placé en garde à vue, comme ses deux passagers, le mercredi 15 février. Après un interrogatoire dans lequel il a avoué ne se souvenir d'aucun moment de l'accident, l'humoriste est finalement sorti de garde à vue, ce vendredi 17 février 2023, selon nos confrères de RTL, il va désormais devoir s'expliquer devant les magistrats qui vont décider des suites judiciaires, précise-t-il. Enfin, selon les informations de BFM TV, il a été transféré au tribunal de Melun en vue d'une probable mise en examen. Selon les dernières informations publiées dans un communiqué, le procureur de la République a finalement requis son placement en détention provisoire. Enfin, la question de l'homicide involontaire ou volontaire devrait être éclaircie dans les prochaines heures également, en fonction des expertises menées après la mort du bébé à naître lors de l'accident. I think.